t'es mal plié. Et quand il voit que t'es mal plié, il est cavard, donc les autres. Un pied dans la main. Ouais, bah, c'est vrai, il me pète les couilles. Bon, c'est toi. On vous propose de venir prendre des petites affiches qu'on va présenter tout au long du parcours. Donc venez chercher les affiches et après on vous explique le déroulé, la déambulation à l'intérieur des rues d'Auxerre. Venez chercher une affiche. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas.
Une autre déchetterie. Voilà déjà un exemple de ce que nous voulons pas et nous allons œuvrer pour que cette déchetterie rouvre. Mais nous ne pourrons le faire qu'avec votre appui, qu'avec votre soutien. Sans cela, nous n'aboutirons pas dans nos démarches. Donc restez vigilants, nous avons besoin de vous. Juste un petit rappel, donc c'est un collectif qui compte actuellement 360 personnes, mais qui, avec votre présence aujourd'hui, peut s'agrandir encore plus. Donc c'est un collectif de citoyens, hein, de personnes non politiques, mais de personnes concernées, qui veulent essayer de faire changer la politique qui a été mise en place par la gouvernance actuelle. Donc, on est plusieurs élus à faire partie de la commission environnement, à avoir protesté dès le départ en essayant de faire changer ces idées un petit peu autoritaires de supprimer la collecte et puis de passer au prélèvement volontaire, de supprimer aussi les déchetteries et de passer à deux grandes déchetteries. On a voulu essayer de discuter, de parlementer. Et en fait, non, dans la précipitation, au mois d'octobre, mois de septembre, je ne sais plus, ça a été élu, ça a été voté. Et nous tous citoyens, on s'est retrouvés devant cette situation qui semble à beaucoup d'entre vous aberrante, surtout en particulier au niveau des points d'apport volontaires. Donc ces points d'apport volontaires, nous ne savons pas combien il y en aura dans la communauté commune. Nous ne savons pas à quelle distance ils seront installés. Nous ne connaissons pas les prix. Nous savons en tout cas que ça va être une gêne très importante pour les personnes âgées. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont ici avec, je dirais, des cheveux blancs, mais voilà, avec voilà, certaines personnes qui sont venues avec des cannes, qui sont venues se déplacer et montrer qu'ils étaient dans les premiers concernés pour essayer de trouver une autre solution. Parlons des personnes âgées, mais aussi des personnes à mobilité réduite, et puis de tous les désagréments qu'il peut y avoir avec des points d'apport volontaires et la fin de la collecte en porte-à-porte. Donc, notre projet, après mûre réflexion, d'ailleurs, je pense que certains d'entre vous sont venus à la réunion publique du 30 janvier, donc on ne fait que répéter qu'on essaye d'avoir une autre gestion des déchets qui soit plus proche des particuliers, des habitants. On essaye de trouver la meilleure solution, hein, parce que effectivement, on est dans un territoire qui est totalement différent, avec une ville-centre. Là, ici, on est dans le centre d'Auxerre, dans une ville avec des rues étroites, etc., qui posent des problèmes pour certaines collectes. Donc, il faut plutôt trouver une méthode
de gestion qui soit adapté à tout le territoire et qui prenne en compte toutes les difficultés, soit on est dans du rural, soit on est dans de l'urbain serré. Donc ça demande une véritable réflexion. Longue réflexion, longue discussion avec les différents partenaires et ce qui n'a pas été fait par la gouvernance actuelle. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est réduire les déchets, agir contre le gaspillage, sensibiliser aux bons gestes de tri, créer des donneries et des recycleries. Les recycleries, il n'y a pas du tout dans le territoire de l'Auxerrois. Si vous voulez donner des choses, il faut aller en Puisaye et c'est quand même un peu dommage. Puisque des projets avaient été menés il y a longtemps et n'ont pas abouti. On veut maintenir la collecte en porte-à-porte pour avoir un service au plus près de l'usager, une meilleure qualité de tri, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les points d'apport volontaire, la qualité du tri est en baisse. Hein, c'est un chiffre de l'ADEME, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est dans les containers, effectivement, il y a des risques d'erreurs, des gens malveillants, même des fois, qui peuvent complètement contaminer un container. Donc quand c'est plus près de votre poubelle, quand c'est vous qui faites le tri, quand c'est vous qui présentez votre poubelle, le tri est bien meilleur. Et aussi, on peut aussi adapter les véhicules et les tournées pour s'adapter au milieu urbain qui est différent dans notre territoire. On veut aussi, et ça on vient d'en parler avec ce début de fermeture de la déchetterie de Val-de-Mercy, on veut garder les déchetteries telles qu'elles sont là, parce qu'effectivement, quand on est 6, quand on est 7, elles sont quand même au plus près des usagers. Elles évitent de prendre la voiture et de faire 20, 25 minutes, 30 minutes pour aller déposer des choses. Elles évitent les dépôts sauvages, hein, parce que quand vous serez obligé de prendre votre voiture et puis de circuler, ben vous aurez tendance à mettre ça dans le champ ou dans la rue qui traîne. Donc ça, on a un maillage de déchetterie de proximité qui peut être amélioré, qui peut être sécurisé, qui peut être modernisé avec une véritable étude de budget, mais ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Donc c'est ce que l'on demande. Hein, on ne dit pas on enlève tout et puis on fait autre chose. Et ben on essaye de chiffrer la possibilité d'agrandir et d'améliorer les sites que nous avons actuellement. Et puis, on a la dernière chose qui a peut-être déclenché toute cette stratégie, tout ce vote précipité, c'est le traitement des biodéchets. Donc, les biodéchets, effectivement, la loi AGEC nous oblige à les sortir du déchet ultime, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est une obligation qui fait prendre en compte aux gens que tous ces biodéchets, c'est-à-dire les restes alimentaires, les restes de repas, les éplucheurs, tout ça, c'est un déchet qui permet d'être valorisé, qui peut faire des choses, qui peut faire du compost, mais qui peut aussi être transformé pour faire de l'énergie ou du gaz. Donc c'est une très bonne idée de les sortir des ordures ménagères pour éviter qu'elles soient enfouies ou brûlées. Là aussi, la solution qui a été proposée de mettre des containers, toujours pareil, les containers, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas combien ils seront chiffrés, etc. Ces containers, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. En centre-ville, ici, avec une bonne explication du public, en leur montrant bien comment il faut faire, c'est tout à fait possible d'avoir des containers d'apport de biodéchets. Je vous donne un exemple, la ville de Lyon, où tous les 150 mètres, il y a un container où tous les habitants peuvent venir mettre leurs déchets. Mais tout ça, ça demande une vraie mise en relation de tous les, aussi bien des administrateurs, des techniciens que des usagers. Et c'est ce qui a manqué sur cette stratégie qui nous a été proposée, je dirais même imposée. Donc là, on voudrait influencer la gouvernance actuelle, pour qu'on revienne et qu'on rediscute et qu'on remette en place un projet qui puisse être au bienfait de tout le monde. Pourquoi le faire maintenant ? Parce que dans certaines collectivités de communes, le choix a été fait comme ici, imposé, et on a retiré la collecte en porte-à-porte, on a imposé des points d'apport volontaires, et en fait, il y a eu tout un système de nuisances, il y a eu énormément de protestations,
Il y a eu le non-respect des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite qui ont fait que le tribunal de Centre-Garonne a demandé à ce que la collectivité revienne à la collecte en porte-à-porte. Donc il y a un arrêté du tribunal qui a obligé une collectivité à revenir en arrière. Donc avant qu'on arrive à ce serait intéressant de nous faire un travail en commun de discussion, de relation, avant d'arriver au tribunal et être obligé de tout annuler. Donc voilà, c'est ce qu'on voudrait, avoir un projet qui tienne compte de vous, de nous, de toutes les personnes qui sont ici. Et encore, merci d'associer tous les habitants de la communauté avec un système de ramassage pour les gens au plus près de chez eux, le plus pratique possible, et d'avoir des déchetteries dans l'air du temps avec des recycleries. Et on compte sur vous pour continuer à soutenir nos actions. Donc maintenant, on va vous demander, si c'est possible, de nous relaisser toutes les pancartes, parce qu'il faut qu'on les récupère. On les mettra dans un conteneur. On vous souhaite un bon après-midi. On vous remercie de votre présence et de votre participation active. Et on vous souhaite la meilleure des journées. Au revoir et peut-être à bientôt. Non, on est bien d'accord.